À l'écran de l'actualité, CRTV News, ici toute l'info, bienvenue chez nous les artistes. Ce soir, on vous raconte une belle histoire, heureuse rencontre avec Joachim Holstner, retenez bien ce nom, c'est à lui qu'on doit la numérisation de toutes les plus belles musiques, des plus grands trésors de la musique camerounaise. Il est notre invité, Menana, bonsoir. Bonsoir Steve Tiega. Menana, vous voyez que ma table est garnie aujourd'hui, je vous ai sorti de vieux disques Francis Bébé. Francis Bébé encore, et là, Anne Marizier, vous savez pourquoi ? De grands noms de la musique camerounaise. Ce qui fascine avec ces artistes, c'est que leurs musiques sont atemporelles. De l'est à l'ouest, du nord au sud, on va se balader dans le patrimoine des musiques. Et pour en savoir, par exemple, sur Ali Baba, je vous adresse quelqu'un. Il s'agit de Joachim Holstner. Son visage est connu, c'est une mémoire vivante. De la musique camerounaise. Il peut vous en dire sur Ali Baba, sur Katino qu'on aura aujourd'hui, sur Francis Bébé. C'est celui que j'appelle l'encyclopédisque de la musique. J'espère que ce n'est pas un mot raté. Ou un néologisme, en tout cas tout est permis. Ça c'est une pochette de disques comme grand-père et papa en ont connu à leur époque. Je lis la Sarah, je lis la Malundi, je lis Bayan. Et celui à qui nous devons tous ces disques s'appelle Joachim Holstner. Je l'ai surnommé l'encyclopédisque de la musique camerounaise. Herzlich willkommen Joachim Holstner, bienvenue. Pardon. Bienvenue. Merci. Et quand je vous annonçais, j'ai dit que vous êtes le fils de Leipzig qui est venu un tout petit peu au secours de la mémoire musicale du Cameroun. C'est mon village. C'est votre village. C'est voilà. Alors, Anne Marizier, vous ne l'avez pas oublié. Personne ne peut l'oublier. Non. Vous nous parlez de cette belle expérience que nous voulons partager ce soir, Art Musica, archive de la musique camerounaise, association créée en 2003, qui vous a fait voyager à la recherche des tubes perdus et finalement retrouvés. On nous dit même qu'il y a des chansons d'Anne Marizier qui n'ont jamais été éditées et que vous avez retrouvées. Vous nous racontez ça? Oui, disons, là, c'est difficile, je ne sais pas trop par où commencer. Oui. Mais si c'est pour Anne Marizier, et ce qui était intéressant pour Anne Marizier, c'est que à la fin de sa vie, quand elle est partie, il a eu un projet du ministère de la Culture du Cameroun, d'un coffret qui englobe toute la musique d'Anne Marizier. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est toute la musique d'Anne Marizier? Difficile à dire, puisque là, il faut parler d'Anne Marizier, de sa vie. Il y a très peu, on peut dire, il y a très peu de musique d'Anne Marizier qui est encore disponible, vraiment disponible en termes de support. De support. Elle a publié, mais tout a plus ou moins disparu. Mais ce qu'elle a publié, c'est une petite partie de ce qu'elle a chanté. Ouais. Et ce qui existait réellement d'Anne Marizier, mais qui n'est pas connu. Oui. Alors tout à l'heure, on aura le plaisir d'apprendre de belles choses sur Art Musica, que vous avez lancé en 2003. L'histoire du linguiste qui est devenu, entre guillemets, archiviste. Joachim, je le disais, vous de lignée de la tête sur Kourloukou, Agatha de Francis Bébé, ça vous rappelle de bons souvenirs. Idiba avec Manu Dibango. Je m'excuse beaucoup, mais j'insiste un peu sur le cas d'Anne Marizier, puisque j'aimerais donner un exemple. Tout à fait. Allez-y. Comment on peut vraiment très bien présenter un musicien camerounais. Il y a eu en 2005, en avril 2005, une émission à la CRTV avec Lassa et Tondi. Il a fait partir Anne Marizier de Yaoundé Wokpetsi, où elle était installée à l'époque, à Eseka, chez Jean Bikoko, et de Eseka à Lolodorf, où on trouve à la CRTV, pendant cette émission, Anne Marizier retrouve les élèves du lycée de Lolodorf. Oui. Et c'est cette photo-là. On a l'impression que c'est la même. Oui. C'est la même. Non, ça c'est plus ancien, parce que ça c'est 84. Oui. Mais il a fait la même chose. Avec Ebo Bolotia. C'est à chanter avec tous les élèves du lycée de Lolobo. Une vraie merveille. Alors qu'elle est au bord de la Lokunje, assise, et les élèves lui lavent les pieds. Quelle belle image.
et de Lolotov, le départ jusqu'à Bibia, chez elle. Chez elle. Où elle présente ses œuvres et aussi les œuvres qu'elle a chantées, comme Sarah, par exemple, une vraie merveille. C'est une émission, je crois, qu'il n'a pas eu meilleure à la CRTV. Moi, j'aurais voulu d'autres émissions comme ça, parce que c'était une occasion, pas seulement, comment dire, de passer une heure et demie d'une émission comme ça, mais d'apprendre. Pas les artistes eux-mêmes, parce qu'on leur a donné l'occasion. Mm. Rien que la conversation entre Jean Bicocco et Anne-Marie Nsé à Esseka, une vraie merveille que vous ne retrouvez plus jamais. J'espère que l'émission existe toujours sur bande, quelque part là. Je vous donne donc la date, c'était en avril 2005. Vous avez travaillé sur pas mal d'archives. Le projet avec Anne-Marie Nsé, c'était en connexion avec le ministère des Arts et de la Culture. Qu'est-ce que le projet est devenu aujourd'hui? Le coffret. Il sommeille dans votre discothèque, dans vos machines ou bien... Disons, tout est présent, tout est là. Je considère que le plus gros travail a été fait. Mm. Même si on ne finit jamais un travail, c'est sûr. Mais récupérer la musique telle qu'on peut encore la trouver, cela a été fait. Et là, il faut distinguer entre deux projets. Le projet avec la CRTV, la numérisation, qui a été députée en 2012, pendant 3 ans, officiellement. Et puis, Arc Musica, qui a été créée auparavant. En 2003 Non. Auparavant. Ah bon, ok, d'accord. À la fin des années, 1900, que j'ai commencé. Et là, puisque vous êtes étonné qu'en allemand, on se tient toujours qu'en allemand fasse ce travail. Au fait, ce n'est pas si étonnant que ça, puisque c'est la perspective d'un étranger qui découvre un pays. Mmh. Et la musique. Donc, c'est une curiosité et je n'avais aucunement cette intention de retrouver toute la musique du Cameroun, de créer des archives Arc Musica. C'est venu beaucoup plus tard, lorsque j'ai commencé à comprendre que la musique arrive et elle disparaît, pas immédiatement, mais très vite. Par exemple... Avec les supports qui se dégradent, oui. Je peux donner l'exemple, par exemple, MC Pop Music, qui avait le monopole pendant très longtemps, mais qui aujourd'hui ne peut pas vous dire ce qui reste, puisqu'ils ne sont plus là. Mais ils n'ont pas un répertoire, ils n'ont pas écrit quelque part les cassettes audio, puisque c'était à l'époque des cassettes audio, ouais, qui sont produites. Ils n'ont pas fait. Alors que c'était très beau, vraiment beaucoup. J'estime à peu près entre 2000 et 2500 cassettes qui ont été, je vais dire que individuellement. Des références, quoi. Uh-huh. C'était très prolifique aussi à cette époque. Et cette musique, une cassette marchait pendant un moment. Mmh. Elle était épuisée, elle était toujours revendiquée. On a donc fait une nouvelle édition. Mais autrement, je me rappelle des cassettes qui chômaient. On l'a mis dehors et on a eu à 500. Mmh. Moi, j'étais content parce que c'était moins cher. Ça vous permettait d'archiver. Et parlons justement des cassettes. On a des chiffres, hein, et vous allez nous aider à les mettre à jour. Ça, c'était en 2015. On dit Joachim Ölsner a pu rassembler près de 60 000 fichiers d'images, près de 30 000 œuvres musicales. Ça, c'était en 2015. Mmh. Actuellement, quels sont un peu les chiffres de vos archives? Ah, je pense qu'il faut distinguer. Il y a plusieurs époques. Il y a les bandes sonores, ça dépend, mais dans la CRTV. Là, je pourrais vous dire aussi un mot très important, puisqu'il existe un catalogue, volume 1 jusqu'à 4, qui, théoriquement, répertorie, c'est un inventaire de toute la musique qui a été enregistrée, par exemple, pour les archives de Yaoundé, au studio de Yaoundé, et qui a été collectionné, dit plutôt, aux archives de Yaoundé, puisque les cassettes et les bandes venaient de toutes les archives, des Boya, des Douala, des Kawa, etc., à Yaoundé, etc., ont échangé la musique. Donc, ça, c'est d'une part. Maintenant, la deuxième part, c'est les disques. Ça commence en 1960, d'abord par les 45 tours et ensuite par les 33 tours.
sans parler pour les gamins qui ne connaissent pas, ça c'est le 45. Voilà, c'est peut-être bon de montrer. Hein. On les s'appelait les vinyles. Ouais, ça c'est du vinyle en 45 tours, ça c'est du vinyle en 33 tours. Donc, sans parler maintenant des disques qui ont été publiés et qui représentent un début, c'était les années 50, les 78 tours. Donc, on a parlé tout à l'heure de Opica, il avait Loningisa, il avait Goma, des éditions comme ça, qui ont produit depuis le début des années 50 de la musique camerounaise, les musiciens camerounais, qui aujourd'hui, toute une génération, qui a littéralement disparu. Et c'est grâce à vous, et c'était quand même impressionnant, Ruben Binham, qu'un homme ait pris des taxis, ait pris et emprunté des OPEP pour aller dans des villages, et sillonner les rues à la rencontre des disquaires pour transformer les 78 tours. Vous allez m'aider, il y a beaucoup de jeunes comme moi qui se demandent, c'est quoi un 78 tours, c'est quoi un 33 tours, c'est quoi un 45 tours. 33 tours, c'est celui-ci. 45 tours. Alors, comment ça se passait? Vous allez vers eux, vous leur dites, je cherche une chanson d'Anne Marizier de 1955. Ils répondaient comment? Non. C'était pas comme ça? Non, c'est pas comme ça. Ça marchait comment? Disons, avec le temps, j'avais quand même l'expérience. Et puis, je ne partais pas en bus ou en car, je partais avec ma voiture. Oui. Ce qui fait que ma voiture, elle est connue dans le Cameroun entier, la Renault 16. Une Renault 16. Dans la Renault 16. D'abord la rouge et ensuite la bleue. Oui. Connue dans le Cameroun entier. Parce que c'est comme ça que je partais partout chercher la musique. Mm-hmm. Il faut se renseigner. Mm. Pratiquement dans toutes les villes, par exemple à Douala, vous avez plusieurs, il y a des boutiques qui vendaient les vinyles. Mm. À Pertois, il y a des vendeurs. Ici, à Yaoundé, partout dans les rues, il y avait les bacs à disques, les gens qui, dans la rue, devant la cathédrale, vendaient les disques. Ouais. Il y avait MC Pop. Donc, avec le temps, on connaissait son itinéraire. Et puis, vous avez cela à Bamenda, vous avez cela à Cham, vous avez ça partout, dans tout le monde. Et c'est ça que c'est comme ça que j'ai fait ça. Sarah, juste pour le souvenir, une belle reprise pour rendre hommage, des chœurs pour Anne Marizier, comme on le fait ce soir chez nous les artistes. On se souvient de ce 24 mai 2016 où elle nous a quittés. On se souvient de ce 28 mai 2001 où Francis Bébé nous a quittés. Et le prétexte est tout trouvé pour ressortir les disques qui leur rendent hommage. Ce soir, je suis avec Joachim Horstner, le linguiste devenu archiviste et qui est venu au secours de notre mémoire musicale. Ruben Binham aussi et puis Tony Mefeu. Heureuse rencontre ce soir pour partager la richesse d'une rencontre. Alors, messieurs. Voilà, Joachim, voilà quelque chose qui a réveillé de bons souvenirs. Cette vidéo où elle était au Villa, c'était où? C'était quand, en 2005? C'était justement l'émission dont nous avons parlé tout à l'heure, avec Lassa et Tony, en 2005, à Bibia. Racontez-nous, quand vous êtes souvent allé à Bibia? C'était la fin du voyage, à partir de, comme je disais, de Mokpetsi jusqu'à à travers Essika, Lolodov. Ils sont finalement arrivés à Bibia où Anne Marinsee a présenté, on peut dire, elle-même sa famille et les œuvres qu'elle a chantées. Et dans sa famille proche, il y avait sa danseuse qui lui était toujours fidèle sur toutes les scènes, qui s'en est allée il y a quelques mois. Les artistes ne meurent pas chez nous, les artistes. Vous connaissez la formule. Rentrons justement dans le secret de vos voyages, Joachim Horstner. Vous êtes allé dans beaucoup de villages. Vous avez, par exemple, à Bibia, c'était quand la première fois? Et elle-même, elle vous a reçu? Souvent? Le village de Bibia est en route pour Kribi. Quand on passant par Essika, Lolodorf, Bipindi, Kribi.
Et disons, cet itinéraire, il est vraiment extrêmement intéressant. Il est encore plus intéressant quand on passe par Olama et Mwenge, Gomecham Mwenge, parce que c'est l'ancienne route allemande. C'est par là qu'à partir des Kribi, que les Allemands sont entrés, ou comment, ils ne sont pas restés, plus restés au, à la côte, ils sont entrés au Cameroun. Et c'est donc aussi un peu cela, c'est un peu cette découverte. D'accord. Et il se trouve que Anne-Marie C n'est pas loin. On passe, en venant des Kribi, on passe toujours par Bibia. Il y a le travail. J'ai lu quelque part que vous êtes engagé dans une sorte de sacerdoce solitaire. Vous êtes dans votre discothèque qui est pleine de disques. Vous continuez de travailler? Bien sûr. Oui, jour et nuit. Vous écoutez la musique. Quelle est votre chanson préférée d'Anne-Marie Nzié, justement? D'Anne-Marie Nzié. Kribi. Kribi. Oui. Mm-hmm. Je peux m'amuser à vous inviter à la chanter? Oui. Allez-y. Non. Il sait collectionner les musiques à la recherche des tubes perdus, de vue. On les a retrouvés grâce à Joachim Osner. Eh bien, on peut passer vous rendre visite au rond-point Longkak pour partager un moment de musique. Et moment de musique à partager, justement, c'est Cameroun Forever. Nous tenons tous ensemble d'un seul cœur, gardons le cœur vert, rouge et jaune. Et c'est ce à quoi nous invite Ruben Binam dans ce clip qui va clôturer cette émission. Chez nous, les artistes, heureux d'avoir été avec vous. Vous savez, chez nous, c'est chez vous. Merci de nous accueillir chez vous aussi. Merci Joachim Osner. Merci à vous. Merci Ruben Binam. Merci à tout le monde. Merci Tony Meffé. Merci Steve. Je vous invite à prendre le large avec sur cette vague de musique qui nous porte et vivement samedi prochain. À très bientôt. Nous remercions toutes les équipes de production. À bientôt. Au revoir. Bonsoir. Round up.